sein de l'association Equalis qui porte un chantier d'insertion dans le domaine du textile. C'est un chantier d'insertion qui existe depuis quasiment une vingtaine d'années, qui permet d'accueillir des femmes en difficulté. C'est un chantier qui a permis d'accompagner en moyenne plus d'une trentaine de personnes par an. Et ces personnes sont sur le chantier en situation de travail, avec des contrats de travail de plus de 26 heures par semaine, et bénéficient d'un temps de formation et d'accompagnement socio-professionnel. Ici, en fait, on a plusieurs activités. On a lavage, pliage, séchage, repassage. Il y a aussi la couture et des retouches. Ici, on les forme aux gestes techniques de retouche, repassage ou l'accueil clientèle. Notre atelier se compose pour le moment de 2 encadrants et 6 salariés. On peut recevoir jusqu'à 23 salariés par an qui sont suivis ou sont accompagnés dans leur démarche quotidienne ou leur projet professionnel. On a travaillé aussi avec Tissons la Solidarité en formation couture. On a aussi des créatrices et des créateurs qui viennent ici. Et on travaille aussi avec des pressings et des blanchisseries. Des particuliers aussi ont été sollicités par Résilience et des mairies en fait, de Conflans, de Poissy et d'autres mairies pour fabriquer des masques. C'est pour ça qu'on a mis en place des ateliers éphémères. Alors nous sommes ici sur le chantier couture de Cergy, un des 3 chantiers qui est ouvert depuis maintenant juin 2020. Pour la petite histoire, à l'origine donc de cette ouverture de chantier, la volonté des collectivités territoriales à vouloir fabriquer des masques en tissu dans l'urgence suite à la crise Covid, et cette volonté aussi des plis, des plans locaux d'insertion et de l'emploi, de développer une offre d'insertion. Alors rapidement, les communes de Cergy, Argenteuil et Sarcelles nous ont permis de nous installer dans des locaux en mettant à disposition des espaces suffisants pour qu'on puisse produire ces masques à destination d'un public, je dirais, les plus défavorisés, ne pouvant pas s'équiper en masques durant cette crise. Nous avons, en 6 mois de temps, confectionné avec ces 3 chantiers 27 000 masques. 33 salariés, quand même, ont participé à cette confection. Des salariés éloignés de l'emploi que nous avons pu, au travers de cette activité, remobiliser. Je suis arrivée sur les chantiers d'insertion. J'ai cherché l'emploi pendant un moment. Pendant cette période-là, j'étais accompagnée par mon conseiller de pli qui m'a orientée sur les chantiers d'insertion. En arrivant ici pour la première fois, comme on ne savait rien, on nous a appris d'abord de tenir les ciseaux, le mesure. On a commencé d'abord à confectionner le masque, en fait, jusqu'au mois de janvier dernier. Et actuellement, là, on est sur les créations. Ce chantier m'a apporté la connaissance, l'augmentation de la connaissance sur la couture, parce que je ne connaissais vraiment rien du tout. Surtout le plaisir de venir travailler, parce qu'au début, j'ai eu peur vraiment. Je me suis dit, oh là là, à quoi je me suis embarquée. Mais après, j'ai eu le plaisir, en fait, de venir travailler. Et puis, on a une belle équipe, on travaille bien, on s'entraide. Si vous ne comprenez pas, il y a les amis, les collègues qui ont déjà eu l'expérience sur la couture. Et puis on a une encadrante qui est vraiment, qui a les dons et la patience de nous orienter, même si vous ne connaissez pas, même si vous êtes nuls, vraiment ici, vous sortirez vraiment avec quelque chose, la connaissance en fait. Sur cette année 2021, nous souhaitons pouvoir rapidement mettre en place un espace coworking afin d'accueillir de jeunes créateurs qui n'auraient pas forcément la possibilité d'avoir à disposition des machines professionnelles en couture et qui puissent ainsi se tester, en tout cas emprunter nos machines et ainsi échanger avec nos salariés en insertion dans leur savoir-faire. L'animation de la filière textile par le graphie a démarré en mars 2020. Donc avec le contexte de crise sanitaire qu'on a connu, on a un certain nombre de structures en Île-de-France qui se sont mobilisées sur le sujet. On a 3 objectifs sur l'animation de cette filière. Le premier, c'est de référencer l'ensemble des structures en Île-de-France et de valoriser l'offre de services qu'elles proposent sur le secteur textile.
Le deuxième, c'est de créer une dynamique collective entre les structures et de favoriser le partage de pratiques, l'échange entre pairs, l'échange d'actualités, de mutualiser, de développer des projets. Et le troisième, eh bien, effectivement, c'est d'appuyer les coopérations avec, économiques avec ces structures, que ce soit sur des marchés ou sur des commandes potentielles d'entreprises, de particuliers qui souhaiteraient faire appel au secteur.